Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech en direct du salon Batibo 2017 ici à Bruxelles en compagnie de Stéphane de chez Beko. Merci de nous recevoir Stéphane. Merci de Thomas de venir sur notre stand. Alors tu as une belle nouveauté, alors on connaît déjà vos frigos, vous faites plus que partie intégrante du marché du frigo en Belgique et là vous avez quelque chose de très nouveau à nous montrer. On est vraiment venu voir la nouveauté principalement chez toi. Explique-moi ce nouvel réfrigérateur américain. Alors, le nouveau frigo américain ici avec le format 4 portes. Donc, nous avons ici un grand frigo qui s'ouvre sur deux portes avec la possibilité de mettre des grands plats directement dans le frigo et d'être modulable. Alors, on va être tout à fait précis. On connaît déjà Beko, les gens connaissent le magasin, on a notre site de vente, mais ce frigo existe déjà. C'est juste qu'en fait, on élargit la gamme. Élargit la gamme, tout à fait. Donc, il existait déjà en quatre portes avec cette partie ici en congélateur. Maintenant, on a transformé le congélateur en cave à vin. Donc c'est un élargissement de la gamme, hein, vraiment. Alors, explique-nous alors un peu la particularité avec les ions, le distributeur d'eau, les lumières bleues. Qu'est-ce qui fait que ce frigo est vraiment unique sur le marché? Alors, chez Beko, on a ici le Blue Light. Le Blue Light est une technologie qui empêche l'arrêt de la photosynthèse des végétaux. Donc ça veut dire que vous allez toujours avoir, par exemple, vos salades qui sont parfaitement croquantes. Donc on est dans une amélioration de la conservation ici. C'est pas un simple frigo. Okay. On augmente de 30 jours la conservation des aliments. Okay. Donc on voit une belle lumière sur le côté. Alors je précise, il clignote car il est allumé et il est ouvert, il est en fonctionnement dans le showroom. Ce ne sera pas le cas chez vous. Alors Stéphane, une question évidemment qui est très importante. Les clients nous le posent régulièrement. On voit ce distributeur d'eau. Les filtres et les filtres à eau. Alors, le filtre à eau est situé à l'arrière de l'appareil. Donc, c'est une cartouche que l'on raccorde et vous avez pour une certaine capacité d'eau à tirer. Vous aurez un témoin qui s'allumera sur l'appareil pour vous dire qu'il faut changer le filtre. Vous avez également un NeoFrost. Est-ce donc que c'est bon bien un frigo NeoFrost? Alors, c'est un frigo NeoFrost avec la particularité d'avoir deux circuits de ventilation séparés. Donc, ça veut dire que vous avez un circuit pour le congélateur et un circuit pour le frigo. Quel est l'avantage de ce NeoFrost? C'est-à-dire que vous n'avez jamais les aliments qui sont situés tout près des grilles de ventilation qui vont geler. D'accord. Ce qui était le cas dans certains modèles d'autres marques. Bien compris. Alors, frigo extrêmement complet évidemment. Compartiment surgélation. Alors je vois des glaçons. Est-ce que c'est une fabrique de glace ou c'est un stockage? Explique-moi. Alors, un peu. Cet appareil fabrique automatiquement les glaçons. Et il les met dans tout ce tiroir. Il va remplir ce tiroir. Bien sûr, cet appareil ne pile pas la glace. Vous aurez une petite palette pour récupérer vos glaçons. Pas de problème. Et la grande nouveauté, car ça c'est un peu des choses qu'on connaît. Pour information, on a déjà tourné une vidéo qui présente ce produit sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. La cave à vin, évidemment. La cave à vin, donc c'est nouveau sur cette série. Donc une cave à vin avec quatre clayettes, avec la particularité d'avoir les deux clayettes supérieures qui sortent à 100% pour présenter vos superbes bouteilles de vin. Alors, on est sur une cave de mise à température, une cave de présentation et verre anti-UV, on est bien d'accord? Oui, et on va balayer les températures entre 2 et 20 degrés. Eh bien Stéphane, j'ai bon espoir dans ce frigo, je pense qu'il aura beaucoup de succès. Il a vraiment un look très épuré, très réussi, félicitations. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ton stand. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, commenter, liker, partager YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!